Hey, coucou vous, comment ça va? Ouais, je sais, c'est toujours le même hoodie, mais je vous explique une chose, je l'aime trop, il est trop confortable, genre, il est... C'était quelque chose. il est trop confortable, je l'aime trop, du coup je le mets, hein, j'en profite, il est là, il est large. En fait, j'ai pris du quoi? J'ai pris du XL ou j'ai pris du L, je sais pas. Mais bref, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Aujourd'hui, ça va être ma journée speed, j'ai énormément de choses à faire. Hier, j'ai eu une petite journée fort sympathique en famille. On a profité, on a fêté une petite chose. Les anniversaires en confinement. On fait comme on peut. Et du coup, là, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Notamment, j'ai un live avec Y Events. Et du coup, ça va être une table ronde sur les lycéens, machin, tout ça, tout ça. Les boys love et les girls love pendant, genre lycée. Et il me semble que je suis la plus jeune du panel. Et ça va faire trop bizarre de participer à un panel. Oh mon dieu, j'avais pas idée de comment c'est. Ah, les dernières fois où j'ai participé à des panels, j'étais la traductrice. Et je me suis foutu la honte. Ah, du coup, ça va être trop bizarre. Mais heureusement que c'est en live, du coup, c'est pas en personnel, en truc. Et Cordelia du coup m'a envoyé les questions, il faut juste que je les travaille un peu. Après voilà, tu vois, je vais pas non plus bosser le truc comme si c'était un examen, déjà que je bosse pas les examens, comment que tu veux que je bosse un panel. Mais il faut que je réfléchisse en fait à mes réponses, que je déblatère pas des bêtises en plein live. D'ailleurs, j'ai fait un test audio et mes écouteurs. Oh mon dieu, j'ai fait un test le jeudi et je suis en train de me gratter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un test audio et j'ai mis mes écouteurs Bluetooth. Et oh mon dieu, ça faisait un décompte. J'avais l'impression d'être dans la pure. Genre vraiment, c'était 14, 13, 12, 11, 10. Et là, j'étais en PLS. J'avais aucune image, aucun son, j'avais rien, j'étais en PLS. J'ai pris les écouteurs de ma soeur et ça allait clairement mieux. Donc je vais prendre les écouteurs de ma soeur et j'espère vraiment que mon internet ne va pas me faire un coup. Je vais mettre ma tablette à charger toute la journée, comme ça je pourrai passer le live avec ma tablette, parce que c'est sur Discord et j'ai téléchargé Discord sur ma tablette, donc ce sera plus simple je pense. Autrement, j'ai un article à poster, j'ai une revue de série à écrire. J'ai une vidéo à sortir, j'ai une vidéo à tester, j'ai fait une vidéo pour lire la diversité. Le vlog sortira avant, mais il y a lire la diversité du coup de Anne Literarum qui est sortie aujourd'hui. C'est le premier jour, c'est sur 10 jours, donc 10 booktubeurs vont conseiller des livres avec de la diversité dedans. J'espère vraiment que les recommandations pour la plupart vont être genre géniaux. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont géniaux et j'ai trop hâte de rajouter ça dans ma wishlist et dans ma palle. Après, je connais pas tout le monde, du coup ça me permettra de découvrir un peu tout le monde. Mais là du coup je sais pas, enfin, il faut que je vois, je vais regarder les vidéos. Je sais plus ou moins ce qu'ils vont recommander, mais j'ai préféré garder la surprise. J'ai pas lu tout ce qu'ils allaient recommander. Et du coup je vous mettrai ça ici, vous pourrez regarder. Je sais pas s'il y a une playlist, mais bref. Du coup moi en fait j'ai filmé ma vidéo, sauf qu'en fait j'étais très très malade. J'étais vraiment pas bien. Par exemple rien qu'hier en fait j'ai eu des... Je vous explique pas. J'ai eu des spasmes aux mains. Mes doigts ont spasmé comme jamais. Et j'ai eu des crampes aux bras et aux cuisses. Je vous explique, j'étais vraiment allongée par terre pendant qu'on me massait les jambes et les bras. C'est un peu bizarre de ma vie. Mais j'ai fait une prise de sang. J'ai eu un rendez-vous médical mercredi. Je fais des prises de sang jeudi. J'aurai des résultats la semaine prochaine. Normalement, le vlog sortira peut-être avant ou après les résultats. Et je verrai comment ça avance. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Beaucoup m'ont demandé comment ça allait. On choisit pas sa santé. On choisit pas comment en fait notre santé évolue. Je sais que j'ai toujours eu une santé pourrie. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, avec la fatigue, avec l'âge, avec le corona, avec... Enfin, pas le corona, mais surtout le confinement, le fait de ne pas pouvoir sortir et de marcher, de prendre l'air. Ben en fait, mes muscles ont tendance à, comment dire, s'atrophier, on va dire. Et en fait, à être très flasque, très mou. Et c'est vraiment pas ce dont j'ai besoin. Surtout que j'ai justement un problème musculaire et d'articulation. Donc, il faudrait peut-être que je bouge ça. Mais voilà, ouais, les handicaps invisibles, franchement, je vous explique des fois, c'est vraiment la pire des choses. Mais bref, du coup, j'ai ça, j'ai aussi, du coup, des mails à envoyer, j'ai des mails à traduire, j'ai des
Document Excel à faire, il faut que je poste mes sondages. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vais mettre le lien du sondage en barre d'infos et voilà, j'ai des mails à envoyer. J'ai pas mal de choses à brainstormer. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de photos à Instagram, vraiment, ça fait, je crois, 2 semaines que je n'ai pas pris de photos à Instagram et c'est pour la bonne cause parce que j'essaie de passer le moins de temps possible sur l'écran, même si je fais quand même ça. Et j'ai vraiment envie de changer de feed et là je suis en train de réfléchir du coup à comment je vais changer mon feed. Donc à voir comment ça va se passer. Mais bref, du coup voilà et vous allez suivre ma journée pendant que je vais essayer de lire un livre. Vraiment, j'ai vraiment envie de lire un livre. Mais à voir. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est oh mon Dieu. Il est 11h50 et dans bah, du coup 1h et de 1h10, il y a le nouvel épisode du coup de Lockdown Boys et j'en parle dans mon nouvel article. Le lien sera en barre d'infos. Mais bref. Oh mon Dieu. Ah, j'ai vraiment mal aux jambes. Bon, je vais aller mettre ma tablette à charger. Ça va être mieux. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Il faut que je continue à bosser, j'ai pas fini, je suis juste partie dans ma chambre mais sinon je suis dans mon salon pour bosser. Lockdown Boys, c'est dans littéralement 10 minutes. Il faut que je termine ma dernière revue de vidéo, de série pour mon article et que je fasse les visuels. Je vais pas faire ça en 10 minutes, j'ai pas le temps, clairement, c'est évident. Mais il faut que je fasse ça. J'ai pas vérifié, de toute façon, il est que 13h moins 10, donc j'ai le temps, j'ai toute l'après-midi. Mais c'est vrai que je suis assez stressée pour le live, du coup. Oh mon Dieu, je suis stressée pour le live. J'aurai pas le temps de lire un livre, c'est sûr. Oh mon Dieu! Ah! Ah, je vais regarder Lockdown Boys et ça va me calmer, ça va m'apaiser, ça va me mettre bien. Je vais regarder ça. Et ouais, j'ai mis ma vidéo du coup sur Gaia sa Pellicula en ligne. J'ai mis du coup, je suis en train de terminer les articles. Donc voilà, franchement ça va, j'ai eu le temps de parler avec des amis. Je suis partie motivée Audrey de Luna Book Addict et parce qu'elle a besoin de motivation, on a tous besoin de motivation. Et voilà, et du coup, oh mon Dieu, je suis genre stressée, je suis pas bien, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas qu'est-ce que va faire. Bref. Ouais, je vais faire ça. J'ai pas eu le temps de regarder. De toute façon, cet après-midi, je vais regarder une vidéo à moi pour voir si elle vaut le coup. Ensuite, il faudra que je fasse trop de choses. Mais de toute façon, vous allez me voir. Vous allez me voir faire tout ça, je pense. En fait, je suis stressée, je me dis, est-ce que je prends ma tablette pour regarder Lockdown Boys? Mais après, si je la regarde, est-ce que ça va pas décharger ma tablette? Donc pour le live, ça va être chaud bouillant, je sais pas comment ça se passe. Non, 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 non. Eh frère, je suis fatiguée. Allez, du coup, je vais essayer de me renseigner s'il y aura du coup une vidéo replay du live et je vous dirai ça. Moi, je passe à du coup 15h10 et la table ronde dure 50 minutes. Et ouais, d'ailleurs, il faut que j'en parle sur Instagram quand je me serai maquillée. Je commencerai à me maquiller vers genre 14h, 14h30. Parce que les épisodes durent 25 minutes de Lockdown Boys, donc ça va, du coup, j'ai le temps. 13h20, j'aurai fini, j'aurai le temps de faire tout ce que je veux faire après. Et ouais, j'aurai pas le temps de lire un livre, je veux vraiment me lire à tout prix. Ce sera moi qui est là. Et il faut vraiment que je vous en parle. Je vais faire une photo, je vais faire pas mal de choses. Mais je vais pas pouvoir faire ça maintenant parce que mon état. En fait, je peux vraiment, genre, pas. Je suis pas bien. La santé est pas là. Mais du coup, je sais pas. Genre, est-ce que j'ai un livre que je pourrais vous conseiller, genre, pour faire un vlog lecture? Mais je sais pas. Mais bref. Oh, Lockdown Boys, il est quelle heure? C'est dans 5 minutes. Je vais aller répondre à mes messages, j'ai essayé de terminer mes visuels et je vais regarder Lockdown Boys. Après, je vais faire mes articles et vers 14h20, me préparer. Et de toute façon, je vais rester en pyjama. Hein. C'est juste que je vais rester en pyjama et me maquiller. Mettre un foulard qui soit un peu plus mignon, qui va mieux avec, qui aille mieux avec ma tête. Je suis sûre en soi, je peux le mettre et mettre ma capuche vraiment si je m'en sors l'envie. Faut que je me prenne une table, une mini table que je la pose ici pour que je puisse mettre ma tablette en hauteur parce que sinon après c'est comme ça et après la vue elle est pas tip top sinon je fais comme ça et la vue là elle est mieux. C'était pour une photo que je n'ai pas prise d'ailleurs. Mais bref, ouais, à tout de suite. J'aime trop parler beaucoup trop, hein, moi c'est ma spécialité.
terminer. Je crois que je vais aller du coup juste m'hydrater le visage le temps que j'écrive l'article, que je le termine et que je le publie. et après, je commence à me préparer. Je suis en PLS. Est-ce que je prends des mangas et des romans avec moi pour le présenter pendant la table ronde ou est-ce que c'est pas nécessaire? Je vous demande ça alors que la vidéo va sortir je sais pas combien de jours après. Oh mon dieu, comment je m'habille? Je reste habillée comme ça, on est d'accord. Je vais juste ranger un peu cet espace là, comme ça c'est bien. Je vais mettre toutes mes bagues. Oh mon dieu, elle m'a manqué mes bagues. Je vais mettre mon collier aussi, il m'a manqué mon collier. Oh mon dieu, je sais pas quoi faire. Oh, je suis en PLS, je vais finir mon article. Je vais finir mon article et je vais envoyer les mails. Faut que j'envoie les mails. J'ai une to-do list sur mon téléphone, mais je l'ai pas du tout vu. Bon, je vais aller faire ce que je veux faire vite fait et j'arrive. Ok. C'est dans 20 minutes que je dois être sur le lien Discord, donc on va faire ça. Je vais juste aller me préparer, me maquiller, j'arrive tout de suite. Je vais peut-être essayer de manger 2-3 trucs parce que j'ai rien mangé. J'ai arrêté de faire pour l'article pour l'instant. J'ai fait, il me reste genre 10% à faire de l'article, donc c'est bénef. Et je reviens tout de suite. Oh lolo. Allez, je vous ai oublié. Mais si je vous dis que j'ai les chocottes, vous me croyez? Ok, c'est dans 20 minutes et je sais pas pourquoi je suis... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je tremble. Bref, faut juste que je remette mon foulard correctement. Mais je suis en PLS en fait. Et en plus de ça, à ce moment-là que mes cinéma, c'est la suite. Je vous explique. Je suis stressée. Ok, je suis stressée. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Le live doit durer genre pas longtemps. Tout va bien se passer. Je me suis ressaisie l'espace d'un court instant et on se dit, je vais faire une story là tout de suite pour pouvoir prévenir. Et en fait ce qui se passe c'est que j'avais peur que le live commence à 14h. Du coup j'ai directement, je suis partie sur Twitch pour essayer de l'ouvrir et pour voir ce qui se passait. Et non, en fait le live commence à 15h. Donc à 15h pendant 5 minutes il y aura une présentation assez rapide. Ensuite pendant 5 autres minutes, témoignage, interlude. Et ensuite à du coup 15h10 il y aura la table ronde sur les romances Yaoi et Yuri. Dans les billets, dans les billets, au lycée, et c'est là où je vais partir, ça pareil. Et je suis un peu en PLS, là j'ai ma tablette, mon ordinateur, mon téléphone, et je suis vraiment pas prête. En fait je ressemble à rien, faut juste, attends je vais faire un petit test de caméra, parce que, je vais vous montrer ça. Vous êtes sur ma couverture. Enfin ma tablette est sur ma couverture, et oh mon dieu, je... Je sais pas quoi penser. Je sais clairement pas quoi penser. Voilà, je voulais vous filmer le live. Ma tablette m'a lâché, on a fait un test son. Hein. Mais jeudi, ma tablette fonctionnait parfaitement, mes écouteurs parfaitement. Là, le son ne voulait pas venir. J'entendais pas et il m'entendait pas. Et du coup, j'ai dû me connecter sur mon téléphone, j'ai téléchargé l'application, mais vraiment genre en speed de speed. Et après, j'avais mes écouteurs. Mes écouteurs m'ont lâché. Les écouteurs m'ont lâché pendant le live, ma tablette m'a lâché pendant le live, mon ordinateur m'a lâché pendant le live, et mon téléphone m'a lâché. Le live s'est terminé, j'étais à 3% de batterie. J'étais à deux doigts de partir. Si je vous dis, moi les lives c'est toujours une catastrophe. Ah du coup, j'étais paumée, je savais plus quoi dire, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi conseiller, je savais plus parler français. Franchement j'avais que des termes en anglais dans ma tête et j'étais d'accord
Et du coup, ah mon Dieu, je suis trop contente pour l'opportunité. D'ailleurs, je vous explique le setup. Bref, et donc à la fin, on devait conseiller un titre. J'ai conseillé. C'est mon truc Ken seul ou c'est moi qui suis aveugle? J'ai dû conseiller un titre et du coup, j'ai conseillé 7 Days de Rito Takarai et j'ai conseillé Our Dining Table de Orimita. Et franchement, c'est deux titres que j'aime d'amour. Et à chaque fois que je dois conseiller un manga, un yaoi pas mature. On va éviter le terme shonenai. Et ben, je conseille ces deux-là parce que franchement, je les aime trop. Mais c'est vrai qu'on a eu une discussion qui était très intéressante sur le fait que, bah, du coup, est-ce qu'on lit encore des yaoi ou des BL ou des mangas, en fait, avec des personnages qui sont au lycée. Et c'est vrai que pendant la réflexion, pendant qu'il parlait, je me suis rendu compte que, en fait, non, personnellement, plus le temps passe et plus oui, bien sûr, je me redirige vers des shonenai, des shonenai, oulala, des yaoi au lycée, mais il est vrai que je préfère maintenant prendre des yaoi avec des personnages adultes ou à l'université parce que finalement, je veux des personnages qui sont comme moi et je trouve ça super intéressant. Franchement, je suis trop contente de ce live, j'ai pas mal appris sur moi et sur mes lectures finalement, ça a été la révélation et je suis trop contente pour l'opportunité, ça m'a fait trop plaisir de bah du coup voilà, je voulais lire les commentaires et voir ce que les gens disaient au fur et à mesure de ce qu'on racontait et du coup rebondir dessus, sauf que je vous ai dit mon ordinateur et ma tablette m'ont lâché et que je pouvais pas regarder le live Twitch sur mon téléphone qui était déjà pas beaucoup de batterie et qui me servait à faire le Discord. Faut que je prenne mon thumbnail, oh là là, mon Dieu. Et du coup, j'ai vachement envie de relire ce manga, qui est juste trop beau. J'arrête pas de le conseiller, j'arrête pas de le reconseiller, j'arrête pas de le... tout le temps. Il est trop bien, juste lisez-le, il est magnifique. Et donc, attendez, il y a celui-ci, et il y a... Vous allez entrer dans mon dressing, oh mon Dieu. 7 Days, il est là. Je vous montre pas non plus, mais du coup, 7 Days et... Our Dining Table, qui sont juste deux titres que j'aime d'amour, qui sont trop beaux et trop mignons, et que je ne cesserai de recommander parce que les personnages apprennent à se connaître, et que c'est juste trop beau, et que ça me fait trop plaisir, et que j'aime trop, et que j'aime vous conseiller tout ça. Je vais aller mettre mon ordinateur à charger, mon téléphone à charger, je vais faire ce que je dois faire. Enfin, je peux rien faire de ce que je veux faire parce que mon ordinateur s'est éteint. Et j'ai trop peur parce que je sais pas si c'est éteint sur l'article encore écrit. Aïe aïe aïe. Mais du coup, voilà, enfin, oh mon Dieu, c'était trop bien. Enfin, si je reviens pas vers vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un petit moment sympathique avec moi pendant un court instant. Et on se dit à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bonne journée. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je mettrai en barre d'infos du coup le lien vers le Twitch. S'ils le mettent sur YouTube, ce serait parfait. Je vous mets le lien YouTube ou sinon je vous mets le lien Twitch. Je sais pas, non, c'est un live Twitch. De toute façon, je vous mettrai les liens pour Yaoi Events. Leur Twitter et leur Instagram. Les liens de Cordelia et de tout le monde. Et c'était trop bien, je suis trop contente et ça te fait trop plaisir. Je suis contente. Je vous mettrai aussi du coup la playlist de Lockdown Boys. Et le lien de l'article. Et je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et prenez bien soin de vous. Gros bisous. Ciao. Allez, je vais mettre ça à charger.